Bonjour à tous. J'ai supprimé la vidéo pour une raison. Voilà. Pour une raison que j'ai envie de re-recommencer pour une erreur. Voilà. Affichez-vous de l'ancienne, prenez la nouvelle. Voilà. Je vais vous remontrer. Je me suis auto-obligé de remontrer parce que j'ai pas envie de voir la vidéo en direct que ça a mal tourné. Me mêle pas de tout. Et je fais des vidéos, je me mêle pas du tout du tout, je fais une vidéo normale. Je parle d'apiculture et puis on verra ça en fin de vidéo. Et je n'incite pas d'harceler. Je ne veux pas. Cette vidéo n'est pas faite pour. Voilà, on harcèle personne. J'aime pas. J'aime la paix. On a des bots, ça permet. On reprend la vidéo. On prend des bots. Voilà, on a des bots. Enfin, on fait une vidéo dans le jardin. Ah, il y a quelque chose qui me gêne là. On voit des habits. Là, je vais tourner à gauche parce que je supporte pas voir trop les habits, mais c'est un direct spécial. Bon, on a des guêpes, hein. Voilà, cette vidéo est dédiée pour présenter les matériels. Voilà. Et cette fois, ça durera pas plus de 28 minutes. Pas 28 minutes. Voilà, on a des bottes. Ces bottes, bah, ça ajoute à protéger en apiculture, à protéger bien sûr les piqûres d'abeilles. Hein? Si on se fait piquer par une centaine d'abeilles, on peut en mourir, hein, je vous dis. Bottes, c'est pareil, hein, pour protéger les piqûres d'abeilles. Voilà, et j'irai chercher les cadres. Et peut-être on pourra essayer de montrer ce qu'il y a dans l'écurie, mais c'est le bordel. On vous dit simplement c'est le bordel comme ça, voilà. On a une vareuse. Ça s'appelle une vareuse. Voilà, je refais que j'avais fait un direct tout à l'heure, il y a 1 heure. Et j'ai préféré de recommencer pour une erreur. Ça, c'est sûr. Parce que je supporte pas. Voilà, je me mêle pas du tout. Je me mêle à ce que je me mêle pas. Pardon, je recommence. Je me mêle pas du tout. Voilà, je regarde ce qu'il y a sur YouTube et puis je reprends quoi une affaire qui a été faite avant il y a 2 heures. Ça permet de protéger la main. Par exemple, tu peux pas bien sûr arrêter ta caméra en vidéo. Voilà, tu te fais piquer la main comme ça là. Là, je me suis déjà fait piquer, hein. C'était à moi. On est dans le jardin, ça c'est sûr. On est dans le jardin, on peut pas répéter. On est dans le jardin, puis j'ai un gant. Bon, il avait eu de la teigne, hein, dans mes ruches, c'était pas très beau. Je préférais ne pas faire de photos. Voilà, je fais la prévention contre la teigne. Si vous avez la teigne, évitez de brûler toutes vos ruches, hein, c'est stupide. Vous enlevez la colonie ou vous changez la colonie d'une autre ruche. Et puis vous. Ah, vous mettez dans une autre ruche comme ça, et puis vous, au lieu de brûler la ruche et la colonie comme les apiculteurs professionnels le font, ne brûlez pas vos ruches, faites simplement comme nous. Vous voyez, ma ruche n'est pas brûlée, on a eu de la teigne. On n'a pas brûlé nos ruches, ils sont toujours là. Voilà, on ne rachète pas. Bah déjà, on casse sa cire, hein, ça c'est le principal. On peut brûler la cire, oui. Mais on ne brûle pas la ruche, ni les cadres. On enlève la cire, on frotte, on frotte, on frotte. Puis soit on brûle la cire, je pense. Et puis vous remettez un nouveau plaque et puis vous passez un coup de. Pas d'enfumant, hein. Vous passez un coup de. Un coup de. Une espèce de truc là, je ne sais plus comment s'appelle le nom. Voilà, vous passez la machine là. Bon, ça doit être, je sais plus. Vous passez la machine là, puis c'est bon, ça brûle tout la teigne qu'il y a dans les coins. Vous brûlez partout comme ça. Vous passez, c'est une machine comme ça là, un gros truc avec deux gaz. Tu mets le feu, puis là, ça brûle pas la ruche, hein, ça brûle juste les bouts de teigne comme ça brûle pas, ça prend pas feu. Ah, on a un bourdon, et puis voilà. Je recommence, hein, je vais aller. Vous savez qu'un cadre, ça permet de faire du miel, c'est grâce à ce cadre.
On va rentrer. Hein. On va pas rentrer. Voilà, on a repris. J'ai pris un cadre. C'est grâce à ce cadre. Au moins, on fait. Ça me gêne là de voir des maillots bains comme ça là. J'avoue. Moi, je fais que d'avouer tous les jours. Je ne mens pas. Voilà, on a un cadre. Ça permet. C'est là-dedans qu'ils baptisent le miel, hein, dans une hausse. Et ça, c'est voilà, c'est ça. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer une photo de tenue. J'ai pas envie de me ramuser à remettre la tenue. Hein. J'en refais la vidéo parce que ça me gêne hein, et j'ai envie de refaire. Voilà, on a un couvre-cadre. Voilà. Et puis un cadre. Voilà, on redit deux fois comme ça les gens comprennent. Comme ça, vous comprenez. Nous sommes dans le jardin et c'est pas exceptionnel, mais ça peut arriver des fois. Bah, la cire là, ils m'ont bâti un peu en dessous hein, avant. Les abeilles, bah, des fois ils nous baptisent un peu sous les cadres. Hein. Cette vidéo est aussi dédiée pour les débutants. Pas trop pour les débutants, mais je vous explique en rap parce que je suis pour pas qu'il y aura d'autres apiculteurs dans mon collège. Voilà, c'est fait exprès. Je supporte pas tout. Voilà, j'avoue. Voilà, ça permet qu'il baptise un peu dessus. Il baptise, puis il nous fait. C'est peut-être de la cire un peu fondue que ça fait un peu des vagues là-dessus, je pense. Ou soit ils ont commencé seulement à bâtir. Non, ça doit être quand ça a fondu, je crois. Voilà, vous avez un peu des métals là, des métals. Il y a des métas, c'est juste qu'on passe la machine là et là pour mettre la cire. Et quand il s'est plein et bâti, on met dans l'extracteur. J'ai peut-être des photos sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Écrivez-moi un commentaire et mettez un j'aime. Et je vous informe, j'ai fait une pub et j'aimerais bien qu'il me ferait très plaisir ce que vous la partagez. Et en échange, vous aurez une photo. On a arrêté, on échange la peau, sinon ça serait pas possible. Et puis on pourra, ça sera une photo devant comme ça en échange, comme tout à l'heure. Bon, ça c'est juste parce qu'ils ont voulu. En tout cas, oui. En échange, en réalité, ça sera une photo ceux qui habitent à Jacourt de moi, pas devant chez moi, sur la place ou dans votre verger ou dans mon verger. C'est ceux qui habitent à Jacourt. Autrement, c'est en échange d'une photo de moi qui a été prise par moi exprès comme échange. Et sur Messenger, et c'est un petit concours en main, ça fera un concours. Le premier qui partage aura ma vraie photo comme ça. Dans le verger, devant mes ruches, je verrai quand je sentirai ou je reprends l'ancien qui a été prise déjà. Vous pourrez partager, vous pouvez pas interdiction de mettre sur les réseaux sociaux. Signe de droit à l'image. Hein? Et vous avez droit de mettre en carré photo au fond de contact. Il faut dire votre numéro de téléphone si vous voulez que j'envoie par SMS. Compris? En échange, que vous mettez une pub. Attention, je vois. Hein? J'arrive voir. S'ils ont mis la pub, c'est ceux qui veulent. Hein? Mais c'est un échange. Attention. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est ceux qui veulent hein, avoir ma photo dans vos l'église ou je ne sais pas où. C'est ce voilà. Merci, abonnez-vous, écrivez-moi un commentaire et mettez un j'aime. Ceux qui sont Facebook ou Instagram pour commencer un cœur et pour Facebook un j'aime. Et vous abonnez, écrivez un commentaire.